Bonsoir à tous et bienvenue, et on va lancer l'enregistrement. Oui, bonsoir et bienvenue. Thank you everyone for joining us tonight. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. I hope that you're doing well and that you're happy and that you're enjoying the new year. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, surtout que vous avez savouré et passé de bonnes fêtes et bien démarré l'année. I am really liking my new year. I'm really liking it. En fait, j'aime beaucoup cette nouvelle année. Je l'apprécie beaucoup. I made a decision the last week that's kind of an interesting decision for me. Et j'aime beaucoup ce nouvel an, mon nouvel an. J'ai pris des décisions la semaine dernière et vraiment j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. I thought that I might live to be 90 years old, maybe 100 years old. That's what I thought. Et j'ai pensé que j'allais vraiment pouvoir. Je pensais que je pouvais vivre 90, 100 ans. C'était vraiment ce que je pensais. But also, if I died tomorrow, I would be okay about it. I wouldn't feel horrible. I've loved my life, and if I died tomorrow, I would be okay. Et en même temps, à côté de cette conviction que je pourrais vivre voilà, jusqu'à 90 et 100 ans, si je venais à mourir demain, je suis OK avec ça. J'ai savouré ma vie, je fais des choses avec lesquelles je suis heureux. Et donc, ce ne serait pas quelque chose de terrible ou d'horrible de mourir demain parce que je suis OK avec l'idée. Yeah. So 52 years, 90 years, both are good. Donc 52, 90. But I've decided this last week I'm going to live to 125. Mais en fait, voilà, j'étais comme ça. Et la semaine dernière, en fait, j'ai pris la décision et je suis bien avec ça que j'allais vivre jusqu'à 125 ans. And you're saying to me, you can't decide that. You don't get to decide that. Alors, vous allez me dire, mais tu ne peux pas décider ça. Ce n'est pas toi qui décides jusqu'à quel âge tu vas vivre et combien de temps tu vas vivre. And I'll just say to you, yeah, okay, that's what I've decided. I'm going to be 125. Sorry that you don't agree. Sorry. Je suis désolé. En fait, je suis désolé. Et en fait, devant cette réaction, vous serez peut-être en train de me dire, ce n'est pas toi qui décides. Je vous dirais peut-être, tu n'es pas d'accord avec moi et c'est OK, mais moi je suis bien avec cette idée-là et c'est comme ça, c'est OK. So if I'm going to live 73 more years, if I've got 73 more years left. Et si j'ai encore 73 ans à vivre. Then je dois étudier mon français chaque jour. I really need to study my French because there's lots of people I need to talk to in the next 70 years. Et donc, si j'ai encore plus de 70 ans à vivre, il va falloir que je parle à plein de gens. Donc, j'ai encore plus besoin de parler et de m'entraîner à parler français tous les jours pour parler de mieux en mieux à de plus en plus de personnes. And there's lots of things I should start doing now, so I'm ready to enjoy the next 70 years. I should start doing them now. Et en fait, je suis tellement motivée avec toutes ces choses que j'ai envie de faire dès maintenant, en ce moment, parce que justement, je sais que voilà, je vais vivre encore longtemps. Et ben, ça donne cette énergie et cette motivation pour tout ce que j'ai envie de faire là maintenant. Et pour les années qui viennent. So Natalie, what's your number? So the number that I've picked is 125. This is the number that I've picked for myself. What's the number that you've picked for you? I'm with
The same as you. You're 125. Anybody else? If you want to write down your number and hold it up, just show us what number you're picking for yourself. You get to choose it. No one else can choose it. And, you know, it's just an exercise. We don't have to take it too seriously. C'est un exercice. Ne prenez pas cet exercice comme quelque chose d'extrêmement sérieux et stressant. C'est juste un exercice. C'est juste pour montrer que personne ne peut décider pour vous. Au moment où on travaille un exercice comme celui-là, c'est juste le fait de décider quelque chose. I think it's fun to kind of imagine. Leo put 128, which I really like. Et Léo a mis 128. Il a une raison et Jeff aime bien le fait que justement ce soit voilà, quelque chose de différent et Léo is saying that he has an explanation for this number. Yeah. C'est parce que j'ai 64 puis je suis à moitié mort. C'est joke. D'abord. Did you understand? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas très bien. Leo said he was nearly dead at 64. Okay. So now he double. Yeah. It's sensible for him. It might go from 128 to 150. Who knows what's going to happen? No one knows. En fait, si ça se trouve, ça ira de 128 à 130 ou plus. Qui sait? So finalement, qui le sait? I read that every day. I put it in my phone and I read it every day. Et en fait, moi, je l'ai noté sur mon téléphone et je le lis tous les jours. So it's at the top. It's right here at the top. I live to 125. It's right at the top of my body section. There it is. Et donc, en fait, Jeff là, vous le montre là, il l'a noté sur sa liste des affirmations. Et donc, c'est en numéro un sur sa liste, sur son téléphone. So, I added that this week. I decided. Et en fait, voilà, je l'ai ajouté cette semaine et je l'ai ajouté à ma liste. Et il est tout souriant quand il nous le dit. Last time we were together, we were talking about exponential growth. Maybe this is a good way to describe it. Exponential growth. La semaine dernière, quand on a travaillé jeudi dernier, Jeff a évoqué avec nous la croissance exponentielle. And do you remember we were talking about going from the earth to the moon? If you fold it, yeah. Yes. Go on. And if you folded paper, do you remember how many times it took to double the thickness to get to the moon? Et on a évoqué le fait de plier le papier et on a évoqué la façon dont et en combien de fois on pourrait faire la distance entre la Terre et la Lune. Yeah, Céline remembers, it's 42 times. Et c'est en dépliant 42 fois le papier qu'on pourra faire la distance entre la Lune et la Terre. If you keep doubling the distance, how long until you get to the sun? Et si vous continuez, quelle distance pour aller jusqu'au soleil? So you double, and then you double, and then you double. It's 50 times to get to the sun. 8 more times. 50 total times. Et, 8 more times. Et en fait, si vous doublez 8 fois successives, vous arrivez à 50, et là, vous avez fait la distance avec la lune, avec le soleil, pardon. And if you keep doubling, to fill the whole universe, to fill the entire universe, how many times would you guess you have to double the piece of paper? Et pour traverser l'ensemble de l'univers, il faudra faire combien de fois le fait de doubler ce pliage? It's not that Celine says 86, and that's pretty close.
it's actually because the exponential growth is so much, it's not that many. Because the exponential growth gets so great, it's not that many times. Anyhow, so Natalie, it's 103 times. Et donc c'est 103 fois. That's to fill the whole universe. The exponential growth is so rapid that it's only 103 times. Et donc c'est seulement 103 fois, tellement la croissance exponentielle tout d'un coup fait prendre à cet effet cumulé qui fait que ça va très très vite et on passe de la distance Terre-Soleil à la distance de la totalité de l'univers juste en 103 fois. And the idea we were talking about that we can learn from is small habits, tiny little actions. If we do them every day, we can experience exponential growth from those tiny little actions. Et donc, l'idée évoquée et explorée la dernière fois, c'est que justement, en connaissant cette notion de croissance exponentielle, des petites habitudes quotidiennes vont pouvoir impacter les objectifs et des habitudes que l'on souhaite acquérir de façon progressivement exponentielle. Des petites habitudes vont avoir un grand impact. We were talking about getting 1% better every day. And that's something somebody could do. Just get a tiny little bit better at something every day. Et par exemple, prendre la décision d'être un tout petit peu meilleur chaque jour. 1% meilleur chaque jour, ça peut faire une énorme différence. And when you look at the growth curve, you end up getting better really rapidly, just 1% a day over a year, the growth happens pretty fast. Et vous voyez, en fait, en l'espace d'un an, sur la courbe, on voit bien que la croissance arrive quand même assez vite et ensuite très, très puissamment exponentielle. Donc, décider d'être un petit pourcentage meilleur chaque jour peut avoir un impact incroyable sur un an. In fact, you might remember that you end up getting 37 times better just improving 1% a day, 37 times better over the course of a year. Et de par cette croissance exponentielle, en étant simplement 1% meilleur chaque jour dans quelque chose, à la fin de l'année, vous serez pour cette chose-là 37 fois meilleur que vous ne l'étiez au départ. Would you like to be 37 times better at something by the end of this year? Et la question c'est, est-ce que vous aimeriez être 37 fois meilleur dans quelque chose à la fin de cette année? You know, at speaking English, at exercising, at making money, at making friends, would you like to be better at those things? 37 times better. Par exemple, better. Par exemple, dans le fait de se faire des amis, de parler une langue étrangère, de parler en public, de gagner de l'argent, d'acquérir des clients. Dans quoi est-ce que vous aimeriez être 37 fois meilleur à la fin de cette année? You could easily be twice as good at any of those things without a lot of work. Two times as good you could do. Et d'ailleurs, en faisant pas forcément un énorme travail, vous pourriez tout à fait envisager d'être déjà deux fois meilleur dans ce que vous faites, dans l'activité que vous avez choisie. Or maybe three times as good. Et peut-être même trois fois meilleur. If you really work at it, you could be four times as good over this year at something. If you just make the investments, it can happen. Et en y mettant le temps qu'il faut, vous pouvez aussi tout à fait être assez facilement quatre fois meilleur dans un domaine d'ici la fin de l'année. Just getting 1% better a day or 1% better a week, you're going to improve and you're going to experience amazing growth from doing that.
Mais sachez que en décidant d'être 1% meilleur chaque jour ou d'une semaine sur l'autre, il va y avoir vraiment un impact énorme et une croissance très, très importante dans ce que vous aurez choisi. And it doesn't have to be huge. It can be small little habits that help you to experience the growth. Et surtout, ne visez pas une habitude énorme, quelque chose de gros à mettre en place. C'est vraiment des petites habitudes qui va créer quelque chose de très important. Je ne peux pas parler français très bien, mais je peux comprendre. Et je peux comprendre mieux que l'année, comment dit-on, last year. Et cette précédente. Année, je parle mieux que 2020. Que l'année dernière. Et je vais continuer avec apprendre le français. And just a little bit each day is enough. Et en fait, un petit peu chaque jour est suffisant pour faire cette expérience-là, de sentir que l'effort et que les progrès sont énormes. Et Jeff, maintenant, aligne des phrases entières comme vous pouvez le faire. Le simple fait qu'il fasse des phrases entières avec des nuances, avec de la ponctuation, c'est l'expression même de cet effort qu'il a fait au quotidien depuis maintenant plus d'un an pour apprendre le français. So, let's talk about this year, 2021, and what your year is going to be like. Donc, intéressons-nous à 2021, à quoi ça va ressembler pour vous, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie que ça comporte pour vous cette année-là? And we had a devoir, we had a homework in the five pillars of health last time. Et la dernière fois, vous aviez comme devoir à faire de travailler sur ces cinq piliers. The homework last time was to decide on just one, maybe one goal for each area and some habits that would help you to achieve that goal. Et donc, ce que je vous avais proposé la semaine dernière, c'était de travailler sur ces cinq piliers et de pas forcément en mettre trop, mais au moins exprimer et décider clairement d'un objectif par pilier et de l'habitude qui découle et est nécessaire pour l'achèvement de cet objectif. Donc, d'avoir décidé pour chacun des piliers au moins un objectif et surtout l'habitude que vous voulez acquérir sur cette année 2021. So, perhaps someone could share. You don't have to share all of them, but share one area, share the goal from one area and the small habits that will help you achieve that goal. So you're not doing all five pillars, but tell us one pillar, tell us the goal, and tell us the small habits. What are the new habits that will help you achieve the goal? Alors, on va demander si quelqu'un veut bien partager non pas l'ensemble de ces cinq piliers, mais un des objectifs et surtout l'habitude que peut-être il a déjà détaillée et les petites habitudes qu'il a mis en face de cet objectif pour servir de support de façon exponentielle à la réalisation de cet objectif. Would someone like to share? Who would like to share with the whole group? We have a little bit of time to share homework. Donc là, on a... Oui, Michel, vas-y, on t'écoute. Alors moi, dans la famille, accepter que les personnes peuvent être différentes. Mm-hmm. Et dans l'esprit, apprendre l'anglais. C'est bon. Alors, il a dit 10 minutes français, moi 10 minutes anglais, ça va. Ça va très bien. D'accord. Ça va prendre du temps. Voilà. Et puis aussi une chose dans le corps, me reposer sans rien faire pendant 45 minutes et penser à moi toute seule. À moi. C'est très bon. 45 minutes, c'est très bon, ça, si. Et puis la société, j'avais mis plus de contacts. Parce qu'en ce moment, on est un peu enfermé quand même.
Alors, c'est un peu dur. J'ai fait deux contacts ce matin, voilà. Et puis, les finances, me refaire un capital, voilà. Un gros capital. Avec... Merci beaucoup. Merci, Michel. Les habitudes, les objectifs. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Michel. Je t'en prie. Quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un objectif sur un des piliers et les habitudes qu'il a mis en correspondance et les petites habitudes qu'il a mis en correspondance pour faciliter cet objectif? Oui, Bernard, s'il vous plaît. Bernard, on t'écoute. Moi, c'est faire... D'abord, je dois reconquérir ma respiration. Donc, les petites habitudes tous les jours, c'est faire des mouvements pour avoir marché et faire des mouvements pour avoir une respiration longue. Donc, marcher et respirer. Voilà. C'est bon. Et mettre le Kenko Ground sur toi. Ça, c'est vrai. Je vais tester. Ah oui. Ça marche super bien, le Kenko Ground sur toi. Ok, merci, très bien. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Bernard. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Moi, je suis comme Jeff, mais j'apprends l'anglais à tous les jours avec Duolingo parce que je veux devenir parfaitement bilingue. D'accord. Puis dans les côtés santé, je vais marcher. J'arrive de la marche justement juste avant le Zoom. Donc, je fais des marches régulièrement. L'hiver, un petit peu moins parce que c'est froid ici au Québec, mais je marche beaucoup. Pour ce qui est de plus côté famille, je suis plus en contact, même si je ne vois pas mes fils avec mes fils. Et d'ailleurs, je vous ai annoncé la bonne nouvelle la semaine passée que j'ai gagné deux voyages que je n'ai pas fait encore à New York et à Hawaii. Je n'amène un à New York, l'autre à Hawaii. Il était très heureux d'entendre ça. Super! C'est bien, hein? Puis je suis toujours dans mon focus d'atteindre le rang diamant parce que j'avais dit à Jean-Marie que je ne retournais pas en France tant que je n'étais pas diamant. Fait que c'est ma motivation d'aller vous voir en étant un nouveau diamant. Donc, je travaille Super. Là-dessus pour les prochains mois. C'est tout. Super! Merci beaucoup. Merci, Léo. Comment dit-on congratulations en français? Félicitations. Félicitations. Félicitations, Léo, pour gagner les voyages à Hawaï et les voyages à New York. Félicitations. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Oui, bonsoir. Je suis Ourel Diallo. Bonsoir. Bienvenue au REM. Bonsoir. Donc, je suis inscrite sur une application qu'on appelle Petit Bambou. Oui, calme. La relaxation, voilà, le calme, la respiration. Donc, j'y tiens pour l'instant. Et avec ma fille, tous les soirs, on fait Duolingo depuis que Jeff nous l'a dit autrefois. Super. C'est très voilà. Bon. Il fait le Duolingo avec la fille, avec les enfants, c'est très bon. Pourquoi? C'est une activité à faire comme famille. Et c'est très bon travailler ensemble, apprendre ensemble. C'est très bon. Merci Aurel, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Est-ce que quelqu'un d'autre? Who else would like to share with the group? What goals did you write down? What small habits are you working on to achieve those goals? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Quel objectif avez-vous noté et quelles nouvelles habitudes avez-vous mis en correspondance pour atteindre cet objectif? Moi, je veux bien. Eh bien, on t'écoute.
Bonsoir à tous. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Et que 2021 soit l'année de tous les succès pour tout le monde. C'est gentil, merci. Alors, moi cette année, j'ai décidé de m'occuper de moi, d'arrêter de prendre soin des autres comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Et j'ai déjà commencé. Je n'ai pas fait de sport depuis 20 ans. Chaque jour, je fais des pompes. Depuis que j'ai commencé, je suis déjà à 120 par jour. C'est déjà bien. Je vais recommencer le sport et je vais développer mon activité de marketing beaucoup plus que je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Super. Pour l'instant, je ne peux pas dire plus. Merci, Christian. Très bon, très bon. Merci. Merci beaucoup, Christian. Très bon. Thank you, everybody who shared with us your goals. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé, à ceux qui ont partagé leurs objectifs. I would find a way, create a way, find a way to look at your goals or to write your goals every single day. Et essayez de trouver un moyen pour pouvoir écrire chacun de vos objectifs chaque jour. I have my goals on my phone in different categories so I can read them every day. Voyez, moi, en fait, selon les catégories, j'ai mes objectifs qui sont dans mon téléphone et je peux les lire chaque jour. And I just go through, I find the category and I just read each goal in the category. And I do that every day, so I'm reading my goals every day. Et donc, chaque jour, je vais sur mon téléphone et dans chaque catégorie, dans chaque thème, je peux lire mes objectifs plusieurs fois par jour. But I also write down my goals in a journal, kind of the big goals that I'm working on right now. I write those down in a journal with my own hand, pen on paper, and I do that every day also. Et ce que je fais aussi chaque jour, peut-être sur des objectifs qui sont un petit peu plus loin, plus gros, c'est qu'en fait, je les écris dans l'équivalent d'un notebook, hein, d'un journal. Je les écris tous les jours avec un stylo, vraiment d'une façon comme ça de connexion entre mon cerveau et ma main. Et j'écris à la main chaque jour mes objectifs de façon beaucoup plus globale que ceux qui sont sur le téléphone. And then I also have a to-do list. I have a to-do list that has my goals in the to-do list that I'm checking off every day. Et j'ai aussi, en fait, formulé mes différents objectifs sous la forme d'une to-do list que je regarde quotidiennement et du coup que je peux travailler aussi et checker et tous les jours. I know that may seem like a lot, and maybe you don't want it to be that complicated. Alors peut-être que ça peut vous paraître beaucoup, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas envie que les choses soient si compliquées. And it can be really simple. It doesn't have to be complicated. En fait, l'objectif c'est que ce soit simple, pas compliqué, mais c'est vrai qu'on est tous différents. But make sure that you are reviewing your goals or you're putting the habits in to-do lists or maybe in checklists. Make sure that you are spending a little time each day keeping track. Keep track of the focus on the goal and the things that you need to be doing and working on. Do that every day. Et donc, même en gardant les choses simples, si vous n'avez pas envie d'avoir différents supports, c'est quand même essentiel que quotidiennement, vous puissiez vous assurer de repasser en revue la liste de vos objectifs et donc aussi la liste des habitudes qui sont en rapport avec les objectifs que vous voulez atteindre et de passer en revue, du coup, toutes ces petites habitudes ou cette démultiplication d'habitudes que vous avez détaillées, que ce soit sous format de liste ou quoi que ce soit. L'important quand même, c'est que vous soyez dans cette assurance et que vous soyez vigilant de le faire quotidiennement et que vous cochiez, que vous soyez dans l'évaluation de ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut qu'il y ait cette notion de liste quelque part, quel que soit le support, et que ce soit quotidien et que ce soit une façon à chaque fois de passer en revue ses objectifs
ces habitudes et la façon dont vous avancez avec toutes ces habitudes. So, this week, your homework assignment, it's maybe not what you expected, but I do want you to keep focusing on your goals, your objectives, and your small habits. Keep focusing on those this week. That will be your homework assignment. Et donc, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça, mais je vais vous demander de rester focus, de rester encore concentré cette semaine sur cette notion de but et d'objectif et d'habitudes et de petites habitudes, toutes ces petites habitudes que vous avez détaillées, de rester bien concentré sur tout ça. There is a worksheet that I believe Jean-Marie or Marie shared with you. It looks like this, and I think everybody got a copy of this. En fait, j'ai envoyé un document à Jean-Marie et Marie pour le support de ce qu'on est en train d'évoquer. Je pense que chacun d'entre vous a pu capter ce document puisqu'il a été mis sur le groupe francophone par Jean-Marie et Marie et qu'il a aussi, je crois, été envoyé à certains par mail. And it has to do with small tasks and using small tasks to help us accomplish the habits that we're working on. And it's a kind of an interesting idea, but it's going to take longer to explain. So we'll do it next time. Et cette liste, elle évoque en fait la notion de petites tâches parce que bien évidemment, le fait d'évoquer des nouvelles habitudes, des petites habitudes quotidiennes, ça passe par l'action et c'est l'action qui va permettre de noter, de visualiser et de concevoir les petites tâches auxquelles vont se rattacher l'avancée dans ces habitudes. Ça peut être un petit peu long d'en parler là tout de suite. Donc, en fait, on évoquera ça la semaine prochaine. So, don't worry about filling out this worksheet. You don't need to answer it. You don't need to start making your list. Just work on your goals and habits. Work on this worksheet next time. I'll give it to you as homework. Next time after I've explained it. Donc, n'ayez pas d'inquiétude avec ce document. Restez focus sur le document des 5 piliers, de vos objectifs et des nouvelles habitudes que vous souhaitez acquérir en 2021. Et la semaine prochaine, ce document-là, nous l'explorerons ensemble avec plus d'explications. Donc, vous n'avez pas besoin de vous lancer dans cette liste de tâches. Pas d'inquiétude, ce sera vraiment le sujet de la semaine prochaine. Monsieur Gilbert, est-ce que vous êtes ici avec nous pour partager quelque chose avec nous ce soir, virtuellement? Peut-être, je pense. Oui, bonjour Jeff, bonjour à tous. Bonsoir. Content de dire quelques mots. Merci, hein, parce que c'est vrai que c'est une des clés du succès, effectivement, les objectifs. Voilà, ça fait partie, sans objectifs et sans rêve, on périra. Donc, on a vraiment besoin de travailler ces objectifs d'une façon régulière. Merci Jeff de nous rappeler, de nous donner des devoirs. À la semaine prochaine, peut-être pas, je crois que ça va être Luis Kasuka la semaine prochaine, d'accord, peut-être. D'accord. Ok, bonne soirée à tous et merci encore Jeff. Merci à tous, au revoir. Ok, le bon 8, nous continuons ensemble. Donc en fait, ce n'est pas la semaine prochaine parce qu'on sera avec le Nikken Now de Luis Kasuga, mais on se donne rendez-vous le jeudi 28. Ok. Bonsoir, hey, merci à tous et toutes. Bonsoir, merci Nathalie. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous.